Question qui arrive régulièrement, c'est de savoir est-ce que je dois faire une séance différente tous les jours ou est-ce que je dois faire la même séance pendant plusieurs fois? Alors, moi, je vais vous répondre, c'est très facile. Pour moi, rien de mieux que de faire la même séance pendant plusieurs fois. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que cette séance-là, la première fois que vous allez la faire, bah, vous la connaissez pas, vous la maîtrisez pas bien, vous savez pas trop bien à quoi vous attendre, donc vous n'allez pas pouvoir la faire pleinement, de manière pleinement efficace, avec les bonnes postures et les beaux positionnements et de manière assez fluide. Donc, il faut pouvoir la répéter d'abord pour pouvoir mieux la maîtriser et la faire le mieux possible, le plus correctement possible. La deuxième chose aussi, c'est que quand on commence à avoir une séance, qu'on commence à s'habituer et à la maîtriser correctement, on peut être beaucoup plus performant. Donc, on peut aller plus en puissance, plus en force, plus en explosivité. Surtout quand on fait un HIIT, eh bien, on peut se donner à fond encore plus une fois qu'on maîtrise complètement cette séance et que votre corps a compris ce qu'on allait lui demander de faire. Si vous changez tous les jours, eh bien, il n'a pas le temps de s'habituer, il n'a pas le temps de maîtriser et donc il ne les fait jamais réellement à fond. Donc, elles perdent complètement de leur efficacité. Tandis que si vous le faites et que vous allez installer cela dans votre routine et pouvoir la faire de mieux en mieux, eh bien, vous allez pouvoir être beaucoup plus performant. C'est également la même chose pour vos muscles. Si vous faites travailler un muscle une fois, un jour, et puis que le lendemain, vous faites travailler un autre groupe musculaire, vous allez me dire, oui, mais je fais les fessiers. Oui, mais attendez, les fessiers, il y a plusieurs zones dans le fessier. Le fessier, ce n'est pas qu'une zone qu'on travaille. Ça dépend de l'exercice qu'on fait. Ça travaille plus l'intérieur, le bas, l'extérieur, le dessus, etc. Donc, on ne travaille pas d'office la même zone. Et si on n'est pas professionnel, on ne sait pas spécialement exactement quelle est la zone qu'on va travailler. Donc, ce qui est important, c'est de travailler jusqu'à épuisement musculaire, on va dire ça comme ça, pour la même zone. Donc, faire les mêmes exercices pendant plusieurs fois pour que le muscle ait le temps de travailler, d'aller en profondeur et d'être efficace pour avoir des résultats. Changer tout le temps, régulièrement, pour moi, ce sont des coups dans l'eau. C'est des one-shots qui n'auront pas d'efficacité. Les sportifs de haut niveau, par exemple, regardez-les, ils peuvent s'entraîner en faisant le même mouvement pendant des heures et des heures, des semaines et des mois et des mois et des mois pour être de plus en plus performants et pour atteindre l'excellence et pour atteindre la musculation qu'il faut pour l'objectif à atteindre. Eh bien, c'est pareil pour vous. Faites le même exercice en profondeur avec des séries plus longues, en se donnant plus à fond, en étant avec des meilleures postures, et là, ce sera pleinement efficace. Par exemple, dans mes cours de body girly et de K-aérobic, on fait le même cours pendant un mois. Qu'on vienne une fois, ou trois fois, ou 10 fois par semaine, ce sera le même cours. Et à ce moment-là, on peut être pleinement performant et avoir une efficacité. Et puis, aussi, après un mois, on change pour ne pas arriver non plus dans une lassitude et à un moment donné où le corps n'a plus d'évolution. Dans BeFitGood, par exemple, on change toutes les 2 semaines. C'est fait exprès. Comme ça, vous avez le temps d'assimiler la séance, de la faire correctement, de la connaître et d'être performant et que le muscle ait le temps de travailler en profondeur pour être efficace. Et puis après, on change et on fait un autre groupe musculaire pour travailler une autre zone du corps tout en travaillant évidemment un full body. Voilà, donc ma réponse c'est il faut faire les mêmes séances au minimum pendant 2 semaines, 3 fois par semaine, c'est bien, ou 2 fois par semaine pour être pleinement efficace. Voilà, j'espère que cette info vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me suivre un maximum. Bye bye!